propos d'art, Picasso parle. Ce soir, il parle d'art et de corps, d'émotion, d'amour ou d'érotisme. Elle est pas belle. Elle est pas belle. Elle est pas belle, hein? Vous avez vu ce nez? Et ses yeux? Cherchez quoi, Picasso? Cherchez quoi, Picasso? Cherchez quoi? Picasso, vous cherchez quoi? Cherchez quoi? Vous cherchez quoi? On me prend pour un chercheur. Mais je ne cherche pas. Je ne m'emploie qu'à mettre le plus d'humanité dans mes tableaux. Tant pis si cela offense quelques idolâtres de l'effigie humaine conventionnelle. Ils n'ont d'ailleurs qu'à se regarder un peu plus attentivement dans une glace. Qu'est-ce qu'un visage au fond? Sa photo? Son maquillage? Le visage comme l'a représenté tel ou tel peintre. Ce qui est devant, dedans, derrière, et le reste. Daumier ou Lautrec, voyez le visage autrement qu'Indre ou Renoir, c'est tout. Moi, je le vois ainsi. Pourquoi elle a le nez de travers? Pourquoi elle a le nez de travers? Pourquoi elle a le nez de travers? Pourquoi? Pourquoi elle a le nez de travers? Pourquoi? Son nez est tout de travers, vous avez vu? Vous avez vu son nez? Il est tout de travers là. Pourquoi? Pourquoi elle a le nez de travers? Parce que vous remarquez un nez. S'il est de travers. Alors, je le peins exprès de travers. Comme ça, vous êtes contraint de voir un nez. Il fallait que je vous empêche de ne voir que les belles. Il s'agit bien de comprendre. Depuis quand un tableau est-il une démonstration mathématique? Il n'est pas destiné à expliquer le tableau. D'ailleurs, expliquer quoi, je me le demande. Non. Mais faire naître des émotions. Ça, oui, dans l'âme de celui qui regarde. Il ne faut pas rester indifférent devant une œuvre d'art. Passer en jetant un regard négligent. Il faut vibrer, s'émouvoir. Créer à son tour par l'imagination. Pour ça, le spectateur
dos à tête. Arrachez à sa torpeur. Secouez, 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 secouez. À la gorge. Qu'il prenne conscience du monde dans lequel il vit. Et pour ça, il faut d'abord l'en sortir. Sur le corps, hein?
Allô, allô. J'ai deux messages à vous donner, s'il vous plaît. Le premier message, c'est que je voudrais avoir...